Difficile de faire peur aujourd'hui. Je ne dis pas que cela est impossible, mais pour beaucoup de spectateurs, le genre a connu certaines limites au sein du cinéma. Et il semble difficile, à l'heure actuelle, de renouveler ses canons. Il faut se dire que pendant un temps, voire même une longue période, le fantastique était au cinéma le meilleur moyen de faire peur, dans le sens où montrer l'impensable, l'inimaginable, le surréaliste, c'était ce qui terrorisait le plus les gens, que ce soit la créature de Frankenstein, l'homme invisible, ou encore le loup-garou. Puis on a franchi une étape dans les années 50 et 60, l'époque où les premiers grands tueurs ou assassins de l'histoire du cinéma ont commencé à arriver et où alors, comme si cela était logique, le réalisme a commencé à prendre un peu plus de place. Et alors, comme une cohérence indomptable, le cinéma a décidé de concevoir la peur comme inhérente à la réalité. Et c'est ainsi que la peur fit irruption dans notre quotidien au sein du 7e art. Et dans le genre, difficile de ne pas penser à un immense chef-d'œuvre devenu un classique pour tous, qui plus est, qui s'est permis le luxe de révéler un grand cinéaste aux yeux du public. Car en 1975, un petit jeune du haut de ses 29 ans décide de terroriser l'Amérique en lui rappelant que la peur, comme si elle n'était pas simplement présente dans la mentalité d'une époque froide comme la guerre, était également inhérente à l'élément préféré des saisonniers, soit au cœur même d'un lac, d'une plage, d'un océan ou d'une mer. Ainsi se posa alors un moment de cinéma devenu légendaire, parsemé de mythes et de non-dits qui ont fait son histoire et qui ont fait sa grandeur, et qui fait que encore aujourd'hui, quand on pense requin, on ne peut s'empêcher de se dire qu'ils sont l'essence même d'un mal marin impossible à dompter ou comprendre, alors que Spielberg a fait des Dents de la Mer un objet de fiction dépassant la réalité. Car oui, les requins ne sont pas des mangeurs d'humains, mais c'est là que le cinéma est fort, c'est cet instant où la fiction surpasse la réalité. Comme souvent chez Spielberg, l'idée ne vient pas de lui, mais d'un livre qui n'a pas forcément connu un grand succès à l'époque, mais qui au cinéma s'est totalement imposé auprès du public. Peter Benchley n'avait pas forcément si bien su capter la peur du requin au cœur de son roman, réussissant à concevoir un polar saisonnier presque haletant, mais pas forcément si intense ou juste que cela dans ses recoins dramatiques et créatifs. Et c'est peut-être pour cela qu'il a accepté de reconcevoir l'écriture pour l'écran avec l'aide de Carl Gottlieb, donnant lieu à un ensemble soigné et juste. Rejoignant une quête de vérité et de sécurité chère à un personnage que l'on retrouvera ensuite souvent dans la filmographie de Spielberg, mais parvenant avant tout à donner l'impression qu'il s'agit d'une grande aventure épique, presque mythologique, sur la chasse d'une créature, rappelant presque un certain Capitaine Ahab face à une baleine blanche tout aussi dangereuse, c'est peut-être tout cela qui rend ce récit si captivant et si juste. Cette impression que ces hommes, malgré tout ce qu'ils ont connu dans leur vie, vont devoir affronter quelque chose qui les dépasse et qu'ils ne pourront certainement jamais battre. Vous la connaissez forcément tous cette histoire, mais elle a fait la légende de cette œuvre, cette idée qu'on peut faire peur sans avoir besoin de tout montrer. Bon, bien sûr, le défaut technique a aidé à faire en sorte que la peur ne soit pas tout de suite présente à l'écran. Mais bien au-delà de cela, il s'agit tout de même d'une mise en scène de la peur comme on ne l'avait jamais vue auparavant. Car si le cinéma, par souci technique, aimait ne pas tout montrer tout de suite, jamais l'idée de souci technique n'aura autant pris son sens pour les cinéphiles. Bien au-delà d'avoir mis à rude épreuve Spielberg et son équipe, ce problème technique qui a failli retarder le tournage, mais a plutôt incité à la créativité, donne lieu à une montée en tension complètement folle, qui fait que lorsque l'on arrive à cette fameuse 81e minute, difficile de ne pas retenir son souffle face à la découverte de ce qui n'était alors qu'un remous d'eau de mer, et qui devient alors cette masse terrifiante et glaçante de chair marine. Une bonne idée à garder en tête lorsque l'on est face à une œuvre qui montre tout, c'est qu'en montrer un peu suffit à terroriser le spectateur. Malgré le contexte historique difficile et l'entrée en matière d'un genre qui allait littéralement traverser l'histoire du cinéma, Steven Spielberg souhaitait faire une seule chose au sein de cette œuvre, montrer son talent. Si Sugarland Express lui a surtout permis d'avoir l'approbation de ses pairs pour prendre la main sur un gros projet, Les Dents de la Mer a surtout permis à Steven Spielberg, du haut de ses 29 ans, c'est important de le rappeler, de démontrer tout son talent d'auteur, sa mise en scène de l'espace et sa gestion d'une grosse équipe et d'un cinéma avant-gardiste. Rares sont les films qui avaient eu une telle confiance de la part d'un studio et un tel budget pour l'époque. Et rares sont les longs métrages à avoir su totalement et magnifiquement maîtriser des contraintes de tournage telles que celles connues. Et surtout, inconnues, sur le tournage du deuxième long métrage cinéma de Steven Spielberg, et rien que pour cela, on peut considérer ce film comme révolutionnaire et majeur. Au-delà de l'aspect visionnaire et révolutionnaire de cette œuvre, c'est surtout un film qui, avec Star Wars,
a supposé toutes les bases du blockbuster tel qu'on le connaît aujourd'hui. Lorsque l'on pense aux Dents de la Mer, on pense généralement à quelques notes de musique. Mais heureusement pour John Williams, il y a bien plus à retenir dans son travail musical. Bien plus que d'avoir réussi comme quasiment à chaque fois sur les métrages où il a travaillé par la suite de sa fructueuse et imposante carrière, le compositeur a ici su à la fois capter la peur, mais également l'épique et le romanesque de cette aventure au travers d'une série de thèmes tous plus parlants les uns que les autres. Bien sûr, le thème principal évoque la peur et révèle la puissance et l'horreur qui se cachent derrière le monstre marin. Mais le thème du père et du fils, ou encore celui de la grande poursuite, évoque à eux seuls bien plus d'émotions que simplement celle de la peur. Et c'est cela le grand brio du compositeur. C'est de savoir capter une palette d'émotions aussi diverses que variées, au cœur d'une œuvre que l'on pourrait facilement catégoriser et classer sans réfléchir. John Williams est un génie de la musique, et cette deuxième collaboration avec Steven Spielberg ne sera que le début d'une très longue amitié entre les deux auteurs. En sortant de la première vision des Dents de la Mer, je me rappelle avoir eu la sensation de voir, pour la première fois, quelque chose de terrifiant, mais surtout, quelque chose de crédible, de tangible, quelque chose qui pouvait arriver, alors que par la suite, je comprendrais que le mythe du requin tueur a presque vu le jour grâce à ce film. Bien plus que d'être un grand moment de cinéma, c'est une œuvre fondatrice de la peur moderne, un chef-d'œuvre de puissance et de composition cinématographique qui reste encore à ce jour un de ces moments de 7e art où l'on ne cesse de se dire que la malchance d'un tournage et la galère d'une équipe a fondé toute une génération de cinéphiles, a créé un géant du cinéma et a donné lieu à une peur qui, encore à ce jour, inspire profondément le 7e art. Steven Spielberg a réalisé un chef-d'œuvre, mais il a surtout prouvé une chose. Beaucoup de réalisateurs peuvent réaliser un blockbuster, mais peu peuvent réaliser un blockbuster de genre.